Maxime, comment nous est? C'est JFL Cuisine Créole, j'en fais dans lundi. Votre chef à la maison qui rentre dans la canne. Moi, dis-nous, yon grand, grand merci de tout cœur. Chaque grand haïtien qui a suivi moi, dis-nous merci parce que c'est grâce à nous-mêmes qui fait chaîne n'a pas évolué. M'a monté qu'on a rendu à 2300 abonnés. C'est grâce à nous-mêmes et YouTube aussi a prouvé chaîne YouTube là. Moi, dis-nous merci et un gros applaudissement pour nous. Bon, tout dis-nous tout ça. Qu'on est là, on va préparer une salade russe pour nous. Nous tous connaissons une salade russe, c'est une salade végétarienne. Donc souvent, nous n'avons pas gagné pour nous faire. Quand nous avons fait un petit poisson rose, c'est un fou pour nous. Je vais cuire dans chaud avec sauce, non. Je vais cuire en bas froid. Les papas avec sauce, mais les papas sans sauce non plus. La voiture rose est bien, vraiment, qui va faire nous une assiette chaud froid. Ok? Quand nous avons un petit poisson rose, je prends déjà nettoyé. Hein? Déjà nettoyé, bien nettoyé, pour ne pas dire que nous n'avons pas fait. Attendez. Je vais couper en trois. Pour que ça, mon ami, on va le monter, nous, là, très important. Lorsque nous allons mettre un poisson, soit le bouillir, souvent les noirs font poisson bouilli dans le pays, nous ne passons pas couteau à la mi-temps, n'importe quelle façon nous voulons. Attendez. Lorsque nous coupons un poisson comme ça, ou bien si c'est en long, lorsqu'on fait 6 ans pour assaisonnement rentrer là-dedans, par exemple, ça là, je coupe là. Côté je coupe là, je ne pas dépasser ça. Je ne pas dépasser en bas ça pour ne pas craser. Je ne pas dépasser en haut, seulement faire la mi-temps. Les deux côtés, la même chose que m'a fait, ouais. Tiens. Ok? Regarde, mettez-le dans la mi-temps. Quand on a là-bas, moto qui ça souvent nous fait, nous pas même nous compte. Nous, on coupe comme ça nous-mêmes. Les nappes coupées, nous, on fait ça, nous coupons, nous finis. Mais c'est normal, si nous coupons, ça arrive là, quand on voit le bagaille, la craser. Ok? Quand on a là, on fait une saison là-dedans. Et voilà. Quand on a là, on va l'assaisonner. Ça m'a pas besoin de faire. On va l'assaisonner. On va mettre. Yon cuillère de l'ail haché. Si ou même ou gen épices assaisonné la ka ou ki gen l'ail, poireau, et tout ça nous kon mette ensemble, nous ka mette le tout. Ok? Kon a mwen mette les oignons. Mwen mette yon ti cuillère de paprika. Paprika a senti épices liye. Et moun ki ap viv nan pays étranger konnen. Mais c'est comme si ton sort de piment broye liye mélange avec l'ail. Ok? Kon a mette yon ti échalote. Sont arrivés sive la kawa, mais si toutefois ou même ou te pile poireau avec là ou pas besoin de mettre ça lui même. Moi mettez ça. Qu'on a là moi mettez sel. Qu'on a là moi mettez citron, qu'on a ou même ou ka gen lim pesé ou moi même ici nous vendre dans petit bidon tout mettre. Mais après ça moi mettez l'huile. A gon recette là à en bas. L'on regarde des vidéos là en bas, OK? Allez, on va mettre poivre là. On a pour le moment moins macéré toutes épices moins bien macéré. On met des poivre là-dedans. OK. Pendant que me fin mettre toutes épices moins là-dedans, regarde-moi ça. Là, moi rentrer tout en dedans là. Moi rentrer épices moins tout en dedans. Tout en dedans poisson, hein, tout côté mariné là, les deux côtés, OK. Donc ça va. Je vais mettre de l'eau, je vais mettre rien, seulement l'huile là avec juste citron là-dedans, avec tout épice. Je vais mettre. Vous pouvez regarder. Tout de suite, je prends les oignons. Je vais mettre les oignons en l'enfant poil là, bien arrangé. Pour qui ça? Parce que qu'on a assez un bafou, je vais le mettre. Qu'on a le poil en bafou, on a un chalet pour le monter. Chalet, ça va vraiment cuit oignon, mais il faut le cuire en bas. Poisson pour poisson pas bouler, pour poisson pas coller avec poil là du tout. OK, qu'on a moins déposé ça là bien arrangé et qu'on a mal mettre dans four pas trop, pas avec une grosse température. OK, m'a mettre là avec une température de 325 degrés et puis normalement 25 minutes plus tard il supposé être prêt. OK, qu'on a la boîte préchauffer, mais faut préchauffer four, hein. M'a dit m'a préchauffer, m'a mettre là 325. Pour me faire salade russe là, c'est moi-même qui fais mayonnaise pas moi, OK. Ma cap font salade là car moi-même pour m'acheter mayonnaise, OK. Qu'on a là, on va montrer nous recette là dans fin vidéo pendant nous va regarder salade russe là. À la toute fin nous va voir comment nous faisons une recette de mayonnaise, OK. Là moi rendu là presque fin mayonnaise là. Qu'on a là lorsque nous mangeons mayonnaise. 1. Ou gen wa reme goût mayonnaise la. 2. Ou gen wa di waouh, nta reme manje mayonnaise avec tel goût.
c'est là où qu'a fait. Nous arrivons à un point côté que qui sont arrivés à mettre là dans nous-mêmes. Parce que là, il est bon là. Ouais, mayonnaise à l'âme, beaucoup mettez. Ou après, nous tirons jaune, ok? C'est normal, il n'y a pas aucun agent de conservation là-dedans qui vous fait durer longtemps, ok? Quand vous faites mayonnaise maison, normalement, vous supposez garder l'encaille maximum une semaine, avec 17 jours. Vous faites le dimanche, samedi soir, vous supposez jeter l'eau. Moi-même, je vais mettre tabasco. Je vais mettre tabasco là-dedans. Je vais avoir un petit goût de tabasco. On a mis un petit citron là, un petit jus de citron. Pas jamais beaucoup, hein. Peut-être un pincé là. Ok? Il va le balancer un petit couleur blanche. On met un petit poivre. On met un petit sel. C'est tout. On a moi-même, on va mettre 6 boulettes là-dedans. Ok? On met un petit échalote, on va le mettre dans la salade là. On met un petit cassadan. On va mettre persil. On va mettre thym. Tout ça, on remet et l'on met. Wow, ça sent du tabasco. Okay? Moi, j'aime beaucoup le tabasco. Hein? Moi, j'aime le tabasco en pile. Bon, pour quantité, si salade moi le faire là, il sent c'est bon. Mais, nous avons mis tout. Ok, pour nous, juste, ouais, mais comme on met l'huile là, par filet, on appelle ça. On va mettre le vide. Si vous mettez le vide d'un coup, on prend un zip aussi. Mais à la toute fin, on va le recette là. Ok? Moi, j'ai 250 g de pommes de terre là. Je me suis demandé pour qui ça fait un travail même avec mon en Haïti qui va gagner planche. Et bien, même en fait, dans le monde qui va gagner planche, je me suis bouillé pomme de terre depuis hier soir avec peau. Et puis, je me suis mis dans le frigidaire matin, je me ok? On a coupé le même avec nous. Nous faisons un petit cube, ok? Donc, nous faisons un cube là, grosse, nous voulons pas obliger, pas faire parce que son salade lié, il peut le couper. Moi-même, je n'ai pas acheté un rien en canne, ok? 250 grammes. Les pommes de terre, je vais couper les. Je vais faire la même chose aussi avec la betterave là. Je vais prendre 300 g de betterave. Je vais déjà bouillir aussi. Je vais couper. Je vais faire un petit cube avec elle aussi. Quand on a là pour moi finaliser la salade de riz là, mais mayonnaise, je vais faire la quantité exacte que j'ai besoin. Je vais mettre 250 g de pommes de terre. Je vais mettre yon tasse de maïs en grain que moi acheté en canne, moi rincé. Okay? Parce que moi, je suis très sensible avec tout agent de conservation. Au moins, lorsqu'on rincé, on retire au moins 70% de tout ce qui vient pour conserver. Okay? Si échalote ça, il y a une ciboulette, il y a une bon petit persil haché, il y a une oignon aussi, oignon rouge. Moi-même, je ne vais pas mettre oignon. Pour qui ça ne va pas mettre oignon? Parce que nous sommes, j'aime dire, nous consacrer. Moi, je prépare un poisson, moi, je fais nous manger avec. Et bien, donc, le poisson, ça me met un paquet de zonon. Et bien, l'eau, elle va au monde, ni, pendant qu'on va ranger dans la table pour lui, il y a zonon là-dedans. Plus soit fait poisson, plus soit mettre zonon en bas. Voilà. Ok? On a mis seulement ça. On a mis un petit sel. Toujours songer mayonnaise, moi, je vais faire avec nous, il y a un sel. Pas mettre trop de sel. Et pomme de terre, tout le monde, je vais bouillir avec sel. Okay. Mets ton petit sel, mets ton petit poivre aussi. Il faut que vous toujours contrôlez tes assaisonnements en fonction des sommets là haut. Pas pour mayonnaise. Dites-toi que mayonnaise est bien assaisonnée à ton goût. Ok? On a là brassé deux ingrédients principaux ça. Mais c'est pas grave. Dès que m'fin brassé deux éléments principaux ça voilà. Lorsqu'on met des betteraves dans une salade russe, généralement, il y a un peu de monde qui fait le tout rouge au complet. Ok? Qu'on a, dès qu'on met, regardez. Qu'on a là, j'ai soulevé la salade là. Moi, j'ai soulevé. Moi, pas brasser. Parce que tant qu'on brasse, tant que la prend couleur. Moi, j'ai soulevé. Et voilà. C'est déjà prêt. Il a besoin d'aller plus loin parce qu'il faut me quitter. Regarde, là il est tout rouge, mais moi ouais pomme de terre, moi ouais maïa, moi ouais tout. Si t'es gagné on tape ouais. Tout ça que là-dedans on va pouvoir ouvrir pour pas brasser beaucoup beaucoup. Qu'on a mal le décorer. Et voilà la présentation, ok? Ça là me présente là nous camiter le son table.
qu'on a là, on va le présenter, il y a une assiette pour nous avec poisson. Ok? Mais poisson, ok? Ça nous constate, nous, ouais, il fait comme une sorte de sauce quand même. Ok? Et voilà. La présentation chauffe-froid, ok? Salade au whisky.